Salut, moi c'est Rodolphe, bienvenue dans la société de Hurnos. L'objet de cette débauche d'énergie, cette sorte de petit pruneau de cuir durci installé avec sollicitude sur son socle, le joueur est prêt. C'est parti! Alors c'est quoi le Hurnos? On est deux équipes. On va faire un match donc en deux parties. Le but c'est de le taper vraiment le plus loin possible. En espérant que l'équipe adverse ne va pas le voir. S'il ne l'intercepte pas, on va marquer un but, puis on va marquer des points. Ça c'est la canne en fibre de carbone avec un bout de bois qu'on fixe à l'extrémité. Faut être précis en gros. Faut être très précis. Yeah. Le but c'est pas de faire une boulette. Oui. Up all night for 2 weeks and still can't sleep. No doubt we cutting close, it's the life I chose. All this for counting paper, can't thumb my nose. In the game, I'm a player, so do the coaching. Everybody got a plan, if you can put it all in motion. Ain't no magic potion, but us to get the... On va le faire comme ça. Comme Sacha dans Pokémon. Ain't no magic potion, but us to get the paper. Didn't listen back in school, now I'm sitting on the... Ça c'est le métier qui grand. J'ai une claque en 2 minutes. On va mettre un petit sparadrap. Tu les vois bien? Un œil de lynx. On va se placer sur la ligne des 12 mètres. Au début c'était difficile, mais à la fin j'ai comment réussi à faire the best ball. T'as vraiment bien réussi à la fin. Et du coup c'est un sport qui est que familial comme ça ou il y a aussi des compétitions? Chaque année il y a le championnat suisse. Puis tous les 3 ans, on a une fête fédérale. Dans les compétitions, il y a des dopages des fois ou pas? On est même régulé par Suisse Olympique. Ceux qui veulent fumer du cannabis, c'est le seul cas qu'on a eu jusqu'à présent. Bah, voilà. Ok, donc il s'est dopé au cannabis. Du coup, on va passer à la meilleure partie, la troisième mi-temps. Moi, je te dis santé. Santé, Valon. Alors, le Hurnos, on valide ou pas? Moi, je valide. C'était vraiment cool, j'ai passé une super journée. À part au début, j'ai un peu galéré, ça paraît simple comme ça, mais au final, c'est hyper technique. J'ai réussi au bout de la 30e fois, quand même. Mais par contre, c'était un coup de dingue, j'ai tiré à 200 mètres. Quand on est sur le terrain, il faut être hyper vigilant parce qu'il y a les pucks qui arrivent hyper vite. Heureusement, on arrive à les voir au dernier moment et il faut juste lancer la palette comme ça pour marquer un point. Et j'ai pas réussi aujourd'hui. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure.